Champignac est à 5 km et 340 mètres. Visibilité, 7 mètres et 46 cm. Je recommande de limiter la vitesse à 34 km/h. Oui, j'ai encore un peu bricolé l'électronique de Pénélope. Pas mal, non? Par temps de brouillard, le nombre d'accidents routiers augmente et... Attention, véhicule arrivant par l'arrière. Et ce système de détection, qu'est-ce que tu en dis? Il fonctionne sur le principe du sonar, comme les dauphins. Attention, ou les chauves-souris. Collision sur pare-choc arrière. Collision. Tonnerre, quel est le chauffard? Ah, je t'en prie, Pénélope, arrête ce vacarme! Ne t'en fais pas, Pénélope. Je ne pense pas qu'il y ait trop de bobos. Eh, mon pote, si t'avances à cette allure-là, tu devrais plutôt opter pour la marche à pied. Non, mais dedans, vous. Par temps de brouillard, la prudence recommande de rouler à 34 km/h. Et d'abord, je ne suis pas votre pote. Ah ouais? Alors, c'est comment qu'on t'appelle, mon pote? Moi, c'est Riton. Et lui, c'est Philo. Ouais. Eh, bonjour, monsieur. Oui. Bon, ça va. Il y a juste un peu de peinture écaillée, et c'est pas grave. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Philou. Moi, c'est Spirou. Enchanté. Dites-toi, vu qu'on fait la causette, là, vous pouvez pas nous dire où se trouve la grotte du vieux Champignac? Ben ouais, parce que Riton et moi, on est des spolos, des sloploflos. Des spolos et logs. Combien de fois qu'il faudra que je te le répète? Ouais, comme des gens qui explorent les grottes, quoi. Ah, des spéléologues. Nous ne passons pas très loin de cette grotte. Suivez-nous. Oui, et pas trop près, hein. Pénélope n'est pas en carton-pâte, mais elle n'est pas indestructible non plus. Dans le genre spéléologue, ils m'ont pas l'air vétérans, ces gars-là. Spéléologue, tu parles? Je suis sûr qu'ils se perdraient dans leur propre cave. Attention, obstacle de type humain à 65 mètres. 35 mètres. Tonnerre. C'est du pilon. Tu l'as évité de justesse. Eh bien, les pilons, on ne peut pas marcher au milieu de la route. On a failli vous renverser. Bon. J'espère. Ça n'a pas l'air d'aller, du pilon. Alors, je suis malade. Il faut vous soigner. Venez avec nous chez Monsieur le Comte. Il aura bien un remède à vous donner. Ah, je veux bien parce que ça va pas du tout. La grotte est à 200 mètres sur votre gauche, c'est indiqué. Merci mon pote, t'es bien aimable. Oh, sapristi, quelle grippe! Un vigoureux virus cette année, mais à sabre de bois, il ne me résistera pas. La prudence recommande une expérimentation préalable. Voyons, une infime dose de ces virus de culture et hop! Et voilà notre pauvre champignon malade de la grippe. Mais rassure-toi, petit champignon, pas pour longtemps. Ce nouveau remède de mon invention va te guérir. Ah, sac à papier. Arrête! Eh bien, mon cher Pacôme, il faudra te contenter pour le moment de ce paragrippomol vendu dans toutes les bonnes pharmacies. Ce n'est guère efficace. Et peu agréable au palais, mais ça ne peut pas faire de mal. Oh. Et pourquoi pas? Ça ne peut pas non plus te faire de mal. Ah, sapristi. Firou et Fantasio, déjà, avec ce brouillard, je ne les attendais pas si tôt. Ah, nous avons trouvé du pilon sur la route, monsieur le comte. Le pauvre tient une bonne grippe. Nous avons pensé que vous pourriez sans doute le soulager. Oh, vous l'avez bien fait, mais... Je vois que vous aussi, monsieur le comte. Ah, hélas, cette année, presque tout Champignac est victime de cette épidémie. Oui. Sûr que je l'attrape avant la fin de cette histoire. Mon cher Dupilon, je n'ai à vous offrir qu'un peu de banal paragrippomol. Oh! Sabre de bois! Spirou! Fantasio, venez vite! Voyez cette horreur, mes amis! Oh! C'est...
C'est quoi ce... Oh, quelle honteur! Un innocent champignon victime d'une de mes expériences malheureuses. Oh, Paco, quand renonceras-tu à jouer les apprentis sorciers? Ne laissons pas ça ici. Emmenons-le dans le laboratoire. Bon, vraiment, mais quelle puanteur! Ah, si les virus avaient de l'odorat, sûr que ça les tuerait. Je vais vous ouvrir le laboratoire. Et moi, on m'a oublié. Je suis pas malade, moi. Je veux mon comprimé de... Grippe bobole. Mais où qu'ils sont tous passés? Ah, le bar à grippe bobole. C'est pas bon. Ça a l'air meilleur, ça. C'est même délicieux. Je ne comprends pas. Mon sérum anti-grippe est certes un échec, mais il ne peut être à l'origine de cette monstruosité balodeante. Eh bien, Spip, que se passe-t-il? Tonnerre! Nom de nom! Sac à papier! Mes petits voisins sont encore passés par là avec leur lance-pierre! Dites-moi, monsieur le comte, vos petits voisins tirent au lance-pierre ou au bazooka? Sabre de bois, vous avez raison, Fantasio! Mais alors, comment est-ce arrivé? Du pilon a peut-être vu quelque chose. Du pilon! Oh, hé, du pilon! Tiens, il ne répond pas, c'est étrange. Rentrons, mes amis, allons voir ça de plus près. Bon, le brouillard a disparu, un mystère. Voilà une affaire pour Sherlock Fantasio. Pas vrai, Spip? Durée de poids. Prudence, mon cher déprimier, prudence. Je pense. Toi, tu es grand et pas très malin, alors tu creuses. C'est comme ça, c'est scientifique. C'est formidable, la science, Riton. L'aspologie, c'est aussi de la science, hein, Riton? Ouais, filou, c'est de la science. Alors, nous, on est des scientifistes. Mais non, filou, nous, on est des gangsters. Quoique, t'as pas tort, filou. On est des gangsters, mais on est des gangsters scientifiques. Tu vois? C'est là que nous sommes. Et juste derrière cette maudite roche, c'est la chambre forte de la toute nouvelle banque de Champignac. Et nous, on va la cambrioler. Scientifiquement. Alors creuse, Philo, tu veux bien? Et gangster, ça fait pas beau. Mais si tu me dis qu'on était gangster scientifiste, alors là, évidemment... C'était affreux. Affreux, horrible, atroce. Abominable. Oui, c'est ça, abominable. L'abominable monstre vert. Vert? Oui, avec deux antennes sur la tête, alors. Oui, il y a une drôle de petite soucoupe pas loin, j'imagine. Non, mais dites donc, vous, traitez-moi de menteur pendant que vous y êtes. Mais non, monsieur Duplumier. Ce n'était sans doute qu'une hallucination. Ah, permettez-moi de vous dire, monsieur Spirou, que je n'ai jamais vu une hallucination qui démolit les autos à coups de poing. Allons voir ça de plus près, Fantasio. Tu viens, Spip? Non seulement un abominable monstre vert casse ma belle auto, mais en plus je me fais traiter de menteur. Je me plaindrai à monsieur le maire. C'est cela, Duplumier, c'est cela. Mais excusez-moi un instant. Ça, papier. Oh, c'est vraiment incroyable. Le champignon est redevenu normal. Comment est-ce possible? Oh, c'est trop extraordinaire, sapristi.
Il faut que je tente à nouveau cette expérience. 50 qui font 200. Le compte y est, monsieur le maire. Dites-moi, scrupuleux gardien de l'épargne champignacienne, votre coffre résisterait-il à la main avide de l'hydre cupide du crime organisé? Voyons, monsieur le maire, vous ne me feriez pas confiance. C'est que, voyez-vous, mon modeste patrimoine n'en comporte pas moins quelques précieuses espèces de haute valeur. D'une valeur inestimable, même, oserais-je dire. Mais je vous en reparlerai. Au nom de la loi! Ah, le laisser aller. Ventre fécond d'où vient à la lumière la sombre anarchie, gagne la voie publique. Mais ma vigilance fait fi du brouillard, masquant la déchéance de certains de mes électeurs. Volatilisez votre voiture. Tiens, un phare. Oui, ou tout simplement voler. Oui. Écoutez, Duplumier, nous allons vous raccompagner au village. Et ensuite, moi-même, Sherlock Fantasio, et mon cher docteur Watson Spirou, reviendrons enquêter sur les lieux du crime. Vous devez me croire. C'était un géant, un monstre, une créature. Mais oui, tout vert, avec des pustules, et qui a son permis de conduire. Au revoir de tout à Champignac. 10 minutes. 10 minutes et il ne se passe toujours rien. Sac à papier. C'est à n'y plus rien comprendre. Que faudrait-il comprendre, monsieur le comte? Mon petit monstre est redevenu normal. Je lui ai donc administré une nouvelle dose de mon sérum anti-grippe expérimental. Mais il ne se passe rien. Rien du tout. Essayez donc le paragrippomol, monsieur le comte. Je sais que ce n'est guère efficace, mais... Justement, Fantasio, du paragrippomol. Sabre de moi! Le paragrippomol! Mais bien sûr, le paragrippomol! Et si vous nous expliquiez, monsieur le comte? Voyant que mon sérum était sans effet sur le champignon, je lui ai versé un peu de paragrippomol. Et ces deux produits combinés... Oh, quelle terrible erreur! Vous voulez dire que le paragrippomol mélangé à votre sérum aurait provoqué la mutation du champignon? Et si on réparait la fenêtre en attendant, hein? Nom de nom! Ouais. Monsieur le comte, quelle quantité de sérum avez-vous utilisé? Oh, 2 gouttes, très précisément. Pourquoi est-ce que vous... Alors, où est passé le reste? Regardez cette trace de dépôt quand votre flacon était plein. Il en manque beaucoup plus que 2 gouttes. C'est bon d'observer, Spirou. Mais alors? Chambre de bois! Du pilon, la vitre brisée, le monstre vert de Duplumier. C'était du pilon. Il a bu du sérum et pris un comprimé de paragrippomol. Il faut le retrouver, et vite! Heureusement que j'ai conservé mon vélo moteur. Maintenant que je n'ai plus d'auto, il me sera bien utile. Ne traînons pas dans les rues. Car j'en suis sûr, ce monstre vert n'était pas une hallucination. Tu m'as fou tout de même. Même s'il n'est pas très efficace, le paragrippomol ne peut pas vous faire de mal, monsieur Dupilon. Mais je vous conseille surtout de mieux vous couvrir. Oh ben, c'est alors, on est dans une maison. Mais non, Philo, on est dans la caverne au trésor. On est dans la banque. Va chercher le chalumeau. À moi les belles économies des petits épargnants de Champignac. Un Dupilon tout vert et plein de pustules, ça c'est un scoop. Mais où peut-il bien être? Réfléchissons. Où peut se cacher un malheureux transformé en monstre vert? Dans un cimetière noyé de brouillard ou dans une grotte ténébreuse et humide? Une grotte? Pourquoi pas? La champignonnière, peut-être. Présence d'un bipède d'une taille exceptionnelle au 310. Gagné! C'est lui, on le tient. Mon cher Sherlock Fantasio, vous êtes un génial détective. On le dit, mon cher Watson Spirou. Babord, toute...
Reste là, Spip. Si tu vois quelque chose, eh bien, tu klaxonnes. Ses parents nous font des yeux. Et n'oublie pas, il ne s'agit que de Dupilon. Dupilon, oui, rien que ce brave Dupilon. Hein. Dupilon, Dupilon, je veux bien, mais un Dupilon capable de démolir une voiture d'un seul coup de poing. Dupilon, tonnerre. Oh, c'est vraiment devenu un géant. Courage, mon vieux Fantasio, ce n'est que Dupilon. T'es qui, toi? Quoi tu fais là? Ah, c'est vous, le spéléologue. Mais je suis pas un spéléologue, je suis un gangster scientifiste. Oui, bien sûr. Oui, oui, bah, moi aussi, je suis voleur de banque. Oui, c'est plein de banques à voler par ici. Allez, allez, petit, approche. Non, mais... On va se la jouer à la loyale. Non. Ah, bah, mais c'est pas la peine. Non, vous êtes le plus fort. Oh, il y a un profil intéressant en plus. Oui, oui, attendez, ne bougez plus. Où je me pose une photo? Cyclotouriste par ce temps, ça m'étonnerait quand même. Oh! Les spéléologues. Je les avais complètement oubliés, ceux-là. Nom de nom. L'appareil photo de Fantasio. Des traces de pas qui vont vers la grotte. Il lui est arrivé quelque chose. Tu pouvais pas lui dire de passer son chemin? Mais il a dit que c'était un voleur de banque. Un voleur de banque, tu parles? Un journaliste, ouais, d'après ses papiers. Oui, justement. Il voulait me prendre en photo. Et tu sais que Filou, il aime pas ça du tout, les photos. Hmm. Ouais, ça pourrait marcher. Ils n'ont pas l'air de vraie terreur, ces deux-là, ni de lumière. Police, main en l'air! On ne bouge pas un cheveu, je suis armé. Spip, qu'est-ce que tu fiches là? Du bluff! Vas-y, Filou, réduis-le en se détachant! C'est pas beau de mentir, monsieur le copain du voleur de banque journaliste! Attends, gaillard, ça va être ta fête! Un steak naché qu'il a tiré tout! Mon vieux Spirou, tu t'es mis dans de sales draps! T'as... Oh, un ogre! Oh non, monsieur l'ogre vert! Oh, je vous promets de rester tranquille! Non, oh, Dupilon, du calme, je vous en prie, Dupilon! Pour l'amour de Champignac! Dupilon, vous me reconnaissez? Je suis Spirou! Ah, c'est le moment de filer! Dupilon, voyons, c'est moi, Spirou! Hé, Riton, me laisse pas, Riton! Mais, Riton! Vite, il ne faut pas le laisser filer. Ah, merci pour le rasage, Spirou. La prochaine fois, je m'adresse à un barbier. Dépêche-toi, Dupilon risque de faire une bêtise. Ah ben, et moi? Qu'est-ce que je fais, monsieur? Eh ben, tu restes là sagement pour garder la banque. Scientifistement? Hein, c'est ça, scientifistement, oui. Gardien de banque scientifiste. Ah, ce serait un beau métier aussi, ça. Bon sang, tu vas démarrer, sacré mécanique! Ah, j'ai pas de retour. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 Ah!
je vois un truc de cirque, hein. Tu vas voir un peu le clown. À ta place, je n'essaierai pas de voir quoi que ce soit, mon cher Riton. Notre copain, ce n'est pas un clown, c'est un mutant. Un mutant qui peut redevenir n'importe quand très très méchant. Et toi, il te manque un peu de verre sur les joues pour faire le poids. Je vais lui dire à Riton, en prison, je vais apprendre à être un gardien de banque scientifiste. À moins que j'apprenne la spolologie. Comme d'habitude à Champignac, le glaive de la loi a tranché net la tête de l'immonde hydre du désordre anarchiste. Mais hélas, la mamelle est toujours féconde. Certes, mais notez que mon établissement n'a pas failli à sa réputation d'invulnérabilité. Je note. Et c'est pourquoi, sollicitant une discrétion que j'espère vous marquerez d'une pierre blanche, j'ai décidé de vous confier ces précieuses reliques destinées à la postérité. On ne saura jamais ce qu'est devenue votre voiture. Vous ne vous souvenez vraiment de rien du pilon? Me souvenir de quoi? J'en étais sûr. J'aurais dû parier que j'attraperais cette grippe. Venez, Fantasio. Une bonne tisane vous remettra d'aplomb. Vous devriez prendre du paragrippomol. Ça n'est pas très efficace, mais ça ne peut pas faire de mal.